Dans la vie, il est important pour mon objectif. Parce que ça permet de garder l'avenir et pour qu'on ait qui ça peut faire pour y arriver et pour atteindre l'objectif. Ça. Bonsoir, moi c'est Jean-Valéry Italien et on suit bien mes familles. Une chose qui fait souvent en pile monde pas atteindre l'objectif, c'est les distractions. Et vous êtes capable de gagner de très bonnes distractions. Probablement, vous gagnez comme objectif pour relation avec ménage ou relation avec mari ou madame ou bien fonctionner. Mais en pile fois, ça ne fait pas bien fonctionner, c'est distraction gagne et qu'on gagne de bonnes distractions. Je vais vite réfléchir à quelle qualité de distraction qui fait pas qu'à bay madame ou mari ou temps, qui fait pas qu'à bay relation ça temps pour le capable grandir. Une distraction, que je vais prendre une bonne distraction, c'est le travail. Pas au moment où je suis capable de dire chérie, je fais tout ça pour vous-même. Mais ne pas réaliser que bon moment qui arrive, nous sommes capables de mariage encore. Parce que nous avons fait l'argent, nous avons plus d'activité que nous avons réalisé pour la famille, hein, parce que nous avons de grands objectifs, nous voulons battre en caille, nous avons besoin de prendre soin de petit monde, nous avons besoin de gagner l'argent pour assurer le traitement. Et pourtant, pour nous, ça a fait là, nous avons négligé. Je vais vite prendre un petit temps pour analyser la qualité de distraction, parce que c'est une. Je dis, mais bien pilote. Donc, prends un petit temps, chita, parlez à Mounsa encore pour aimer. Parlez à Maria, parlez à Madame. Pourquoi est-ce que les envies c'est une distraction? Est-ce que le travail intellectuel c'est une distraction? Ou bien est-ce que le travail ça a quoi faire pour porter l'argent dans Kaila? C'est une distraction. Et leur conseil est capable de dire comment est capable d'arranger nous. Parce que, plutôt préparer l'avenir avec Mounsa, au lieu que vous dites préparer l'avenir pour lui-même, au moment qu'arrivé, vous pouvez avoir un avenir encore avec nous. C'est Jean-Valéry Vitalien qui a toujours invité à suivre nous sur Facebook, Twitter, WhatsApp et avec Instagram.